magie des souvenirs. Oh, bon vieux temps. La vie coulait si douce. C'est qu'il faisait bon vivre en un monde où personne n'était pressé. Au bon vieux temps des romances. Mais les chansons n'ont pas tout dit. Elles n'ont pas dit ce que pouvait manger par jour un ménage de 6 personnes il y a 100 ans, ce peu de triperie omelée une fois sur deux. Cette demi-pinte de lait pour 4 gosses. Ripaille. Oui, mais si rare. Si rare qu'on les a mises en chanson, qu'on en a fait une légende. La légende du bon vieux temps. Toute la peine de ce paysan n'égale qu'un dixième de cheval vapeur, l'effort musculaire ne fournit pas plus. C'est pourquoi l'homme a cherché la pointe d'autres forces. Mais il a fallu des millénaires avant que fût seulement inventé la roue et le collier au cheval. Des siècles encore avant que puisse être employée la force de l'eau et du vent. Pas beaucoup de pain avec pareille méthode. Tout cet ensemble n'a ajouté à l'énergie moyenne qu'un autre dixième de cheval. Et l'heure de travail vaut bien peu. Voyez ce que le tisserand peut acheter avec son salaire. 55 minutes, presque une heure, pour une livre de pain bis. Plus de 6 heures de peine, rien que pour le pain quotidien. Le labeur d'un seul ne suffit évidemment pas aux besoins d'une famille. Il faut que la femme s'y mette. Pour payer l'éclairage. Pour payer le charbon. Pour payer le savon des perpétuelles lessives, car il n'y a pas de linge de rechange. Et quand l'homme rentre, après ses 15 heures, la mère travaille toujours. Ainsi, tant que tout a dépendu du travail des mains, il y a eu bien peu à répartir. Une dentelle. Une robe de prix. La décoration d'un carrosse. Et le fameux chapeau, mais tout cela pour quelques privilégiés seulement. Mais à côté des chevaux surgit heureusement le cheval vapeur. La diligence chargeait une quinzaine de personnes. L'ancêtre de notre train en transporte déjà 200 à moins cher et combien plus vite. La productivité accrue a subitement mis le voyage à la portée d'un plus grand nombre. La leçon ne sera pas perdue. Des artisans ont alors l'audace d'équiper des ateliers, d'y installer des machines destinées à une production importante, risque de pionniers, de ces pionniers qui ont su jeter les bases de notre développement technique et économique actuel. Avec la révolution industrielle, tout va devenir possible. La volonté de progrès social gagne les masses. Société de secours mutuel, syndicat face à l'essor de l'industrie. La grande aventure a commencé. La relève des mains par la machine. La force de travail de ces deux mains est doublée en 1850. La vapeur elle-même sera bientôt du passé.
1914. Les mains commandent aux esclaves mécaniques. L'énergie électrique est à la disposition de chacun. 1940. Aujourd'hui, par habitant de grande ville, par habitant de New York, une seule jeune fille accomplit le travail de centaines d'ouvriers d'hier. Mais où sont les tisserands chassés par la machine? Ailleurs. Peut-être parmi ces monteurs d'auto qui, avec bien moins d'efforts, gagnent tellement plus que leur père. Peut-être parmi ces hommes du rail qui, chaque jour, assurent le transport d'innombrables travailleurs. Peut-être encore parmi ces spécialistes, ces praticiens des techniques en perpétuel perfectionnement. Que de métiers nouveaux nés du progrès. La productivité accrue a enlevé aux hommes leur travail traditionnel. Mais elle ne cesse d'en fournir du nouveau, qui augmente à son tour le bien-être général. Nos pères n'eussent pu imaginer tout ce qui se fait aujourd'hui et dont chacun profite. Abondance d'acheteurs comme abondance de produits. Oui, productivité et niveau de vie vont de pair. L'ouvrière qui par milliers confectionne aujourd'hui ses bas de luxe sait qu'il y en aura aussi pour elle et pour ses compagnes. Accepterait-elle encore le galetas du bon vieux temps? Tout notre niveau de vie présent, c'est à notre productivité que nous le devons. En 1893, un vélo représentait en France 1650 heures de salaire. C'était une fantaisie, un luxe réservé aux riches. En 1925, le vélo ne vaut plus que 200 heures de salaire, chacun peut déjà se l'offrir. 25 ans plus tard, il ne représente plus que 125 heures. Aujourd'hui, le vélo est presque dépassé, demain, ce ne sera plus qu'un jouet. De même, les rapports sociaux ne cessent d'évoluer. Au conseil d'entreprise, les fils des misérables manouvriers d'autrefois se penchent sur les mêmes problèmes que le patron et en discutent. Les travailleurs manuels ont aussi appris à penser. Le cerveau maintenant commande aux mains et les mains aux machines. En un siècle, des coutumes millénaires sont balayées. Qu'il semble petit. Et qu'il est devenu grand, l'homme. Ses désirs n'ont plus la modestie naïve d'autrefois. Il veut de plus en plus. Il veut de l'instruction pour ses enfants. Il veut de la culture physique. Il veut une formation technique. Il veut des soins de santé. Il veut des pensions convenables. Il veut des spectacles. Il veut des voyages. Il veut des vacances. Où trouver tout cela sinon dans une productivité toujours accrue?
Voilà pourquoi les problèmes du travail doivent maintenant être analysés en profondeur. Voilà pourquoi la psychotechnique et toutes les sciences du travail doivent essayer d'employer chacun au mieux. C'est que la main-d'œuvre coûte et coûtera de plus en plus. Productivité élevée signifie salaires élevés. Oui, mais salaires élevés impliquent économie de main-d'œuvre. Sans trêve, la recherche scientifique s'y applique. Il s'agit d'épargner l'effort humain. Rendre les usines plus productives. Rendre les machines plus productives. Éviter tout détour cause de perte de temps. Régler jusqu'à la température. Et surtout, ménager le producteur le plus précieux, l'homme. Ainsi, au effet inattendu, en valorisant les salaires, la productivité accrue a fait découvrir la valeur humaine. Le travail est devenu moins dur, et pourtant plus facilement on produit, mieux les hommes vivent. Où serait le niveau de vie s'il fallait encore creuser les canaux à la pelle? S'il fallait moissonner à la faux. S'il fallait encore attaquer la roche au burin. Appliquer la peinture à la brosse. Donc, qui mettrait des mois à nous parvenir à cause des continents séparés par des mois de distance. Que serait-il même advenu si l'acheteur, si nous tous avions refusé tant de produits nouveaux? Direz-vous encore à ce beau vieux temps? Il suffirait de nous arrêter pour y revenir à la misère. Voilà pourquoi demain dépend surtout de la volonté de chacun. Tout ce que nous avons gagné, la productivité nous l'a fourni. Et la productivité relève bien moins maintenant des machines que de notre attitude, que de notre coopération. Nous habillons-nous seulement pendant 10 ans de la même manière? Pourquoi ne pas revoir demain, mais sans cesse, nos idées, nos routines, nos jugements? Un monde nouveau est là. Un monde où, si nous savons le vouloir, la personne humaine pourra tendre enfin vers un épanouissement complet. Thank you.